Voici le résultat après 4 heures de cuisson. La torréfaction a plusieurs avantages, comme rendre la roche plus friable pour le passage au pilon, et aussi ça va cramer les sulfures et entamer un processus chimique d'oxydation. Du coup, ça va libérer les métaux et l'or, le cuivre, le fer. Vous voyez, c'est beaucoup plus friable en fin de compte. Les roches ont éclaté. Donc bon, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je suis plutôt satisfait. La roche est aussi d'une couleur rouge très prononcée, comme on peut le voir ici. Ouais, il n'y a pas photo. Ce sera plus facile à broyer pour moi après au pilon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais broyer ça, le réduire en poudre, le tamiser, et ensuite je vais passer le contenu au pan et le laver à l'eau. Et on va voir ce qui restera. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est la première fois que je fais ce type d'expérience. Donc on verra bien. A tout à l'heure. Bon bah on va broyer tout ça. Alors, on se met dedans. Après avoir broyé cette roche, qui à la base est une roche sulfurée, je sais qu'il y a de la pyrite, de la chalcopyrite et sans doute un peu de galène et peut-être d'autres sulfures aussi. Donc j'ai réduit en poudre avec le pilon, j'ai tamisé et donc je vais laver ça au pan. On va concentrer.
de la pyrite, ce qui n'est pas une surprise. Bon. Faut que j'inspecte ça au microscope. Je vais récupérer ça. Puis on verra bien.